Je vais poursuivre. Formateur qui voilà. Vous avez dit ici que votre chauffeur, il s'appelle Moton, hein? Oui. Voilà. Et il était gendarme comme vous? Moton était gendarme. Il était gendarme. Affirmatif. Ok. Et il portait des bérets rouges, lui aussi? Non. Il ne portait pas de bérets rouges? Non. Est-ce que vous le connaissez bien, Maître Doumbouya? Vous pouvez communiquer ces photos-là. Alors, voilà, donnez-lui une photo. Non, c'est bon. Il ne faut pas tout distribuer ici. Il y a les autres parties. Non, c'est pas la peine. Son client qui doit recevoir. Non, maître, ça va finir. Ça va finir. Donnez d'abord. Vous le reconnaissez là-bas? Je le reconnais bien. C'est lui, Moto. Affirmatif. Très bien. Vous voyez, quand on vous dit ici que des gendarmes portaient des bérets rouges, vous niez. N'est-ce pas la preuve entre vos mains? Je peux. Oui, allez-y. Bien. Monsieur le Sassou. Moto, que vous voyez, à la sortie de l'école de gendarmerie de Sonfonia, avec certains élèves gendarmes féminins, vous pouvez le vérifier, avec certains élèves gendarmes féminins, étaient avec Segouba. Après, Moto a émis le souhait de quitter pour venir connaître réellement le métier de l'arme. Vous comprenez? Pour venir connaître réellement le métier de l'arme, parce que là-bas, il ne faisait que monter, descendre. Ce qui se passait, c'était incompatible. On va continuer. Hein, voilà. C'est dans ce sens-là qu'il est venu, il a photo, demandé et qu'on l'a mis sur. Il règle tout. Voilà, non. Le reste, ce sont des commentaires. Voilà. Non. Alors, assumez-vous vos déclarations de bravoure faites à cette barre, selon lesquelles, si vous étiez chef d'état-major, vous auriez mis tout bas dans les cordes. Vous les assumez? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Est-ce que vous les assumez? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Êtes-vous prêt à un duel, à un combat de corps à corps, à un combat face à face, homme à homme, avec M. Diakité? Mais ça, c'est trop enfantin. C'est une question simple, il peut répondre. C'est une question simple. Est-ce qu'il est prêt? Oui. Êtes-vous prêt à cette épreuve de force? Malheureusement, je ne suis pas chef d'état-major. Très bien. Merci d'avoir décliné. Voilà. Je passe à présent le micro au Baobab.